Bienvenue sur ma chaîne لنتعلم ونرتقي. Bonjour mes chers enfants. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de lecture, La Tour Mohammed VI. Unité didactique 1, La civilisation marocaine. Semaine 3, page 24 de notre livre Le Nouvel Espace de Français de la 4e année. L'objectif de cette leçon est lire, comprendre un texte informatif se rapportant à la civilisation marocaine. Allez-y mes chers, prenez la page 24 et regardez bien l'image du texte en haut. À votre avis, que représente la photo? Oui, la photo représente la tour Mohammed VI. Et quel est le titre du texte? Le titre du texte est « La tour Mohammed VI ». D'après le titre et la photo, sur quoi le texte nous informera-t-il à ton avis? D'après le titre et la photo, le texte nous informera sur la tour Mohammed VI. Allez-y mes chers, on va lire ensemble le texte. La tour Mohammed VI. Le roi Mohammed VI a présidé le jeudi 1er novembre 2018 la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohammed VI. Cette tour est la plus haute en Afrique, d'une hauteur de 250 mètres. Elle est composée de 55 étages et comporte des bureaux, des appartements, un hôtel, un observatoire. C'est vraiment un bijou fait à la forme d'une fusée très élégante. Nous sommes très fiers de pouvoir la construire et de démarrer maintenant, déclare le directeur général des travaux. La tour Mohammed VI. Le roi Mohammed VI a présidé le jeudi 1er novembre 2018 la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohammed VI. Cette tour est la plus haute en Afrique, d'une hauteur de 250 mètres. Elle est composée de 55 étages et comporte des bureaux, des appartements, un hôtel, un observatoire. C'est vraiment un bijou fait à la forme d'une fusée très élégante. Nous sommes très fiers de pouvoir la construire et de démarrer maintenant, déclare le directeur général des travaux. Je prononce bien. Plus. Plus. Une. Une. Bureau. Bureau. Du. Du. Fusée. Fusée. Tour. Tour. Pouvoir. Pouvoir. Bijou. Bijou. Nous. Nous. La tour Mohammed VI. Le roi Mohammed VI a présidé le jeudi 1er novembre 2018 la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohammed VI. Cette tour est la plus haute en Afrique. D'une hauteur de 250 mètres, elle est composée de 55 étages et comporte des bureaux, des appartements, un hôtel, un observatoire.
C'est vraiment un bijou fait à la forme d'une fusée très élégante. Nous sommes très fiers de pouvoir la construire et de démarrer maintenant, déclare le directeur général des travaux. Passons aux questions. Quand la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohamed VI a-t-elle eu lieu? Oui, la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohamed VI a eu lieu le jeudi 1er novembre 2018. Et de combien d'étages se compose la tour Mohamed VI? La tour Mohamed VI se compose de 55 étages. Et quels sont les espaces qu'on trouve dans cette tour? Les espaces qu'on trouve dans cette tour sont des bureaux, des appartements, un hôtel, un observatoire. Qui parle dans le dernier paragraphe du texte et à propos de quoi? Dans le dernier paragraphe du texte, c'est le directeur général des travaux qui parle. Et il parle à propos de la tour Mohamed VI. Regardez bien le premier paragraphe. Combien y a-t-il de phrases? Dans le premier paragraphe, il y a une seule phrase. Essayez, mes chers, de relever du texte des mots contenant la lettre C, mais prononcés K. On a construction, composé, comporte, construire, déclare, directeur. Et des mots contenant la lettre C, prononcés S. Cérémonie, lancement, officiel, C. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. N'oubliez pas de me laisser un pouce like si vous l'avez bien aimé. Merci et à la prochaine.